J'aime beaucoup cette école. Pour moi, c'est un signe de solidarité. J'aime beaucoup cette ambiance unie. Voilà. J'adore cette école parce qu'on a l'esprit de fête et on est tous unis pour ces 100 ans de Lacordaire, pour rester dans l'histoire de l'école. J'aime beaucoup cette école parce que parce que l'art et l'éducation sont au rendez-vous. Je suis élève ici depuis le CP. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette école, c'est l'esprit de solidarité et l'entraide, tout ça. C'est vraiment une école de soutien et qui sera toujours là pour les autres, qui nous aide et c'est la meilleure école. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà que Lacordaire a 100 ans. C'est dire qu'il est né avant nous. Et nous nous retrouvons là avec le même désir que les fondateurs d'entraider chacun et chacune à grandir, à donner le meilleur de lui-même et puis à découvrir ce visage de notre Dieu, du Christ que nous venons de chanter. Célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
siècles des siècles. J'aimerais vous remercier, Monseigneur, pour votre présence, d'avoir animé spirituellement cette assemblée. Vous êtes le berger dans ce diocèse, représentant de Jésus, et nous vous remercions pour ces mots et pour votre prière. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'école Lacordaire, c'est pas seulement une institution marseillaise qui prime les valeurs comme l'élitisme. Donc en fait, on se rend compte qu'à travers des projets, des engagements, on peut transmettre une part du savoir qu'on a reçu dans cet établissement. Je suis là depuis le CM2 et j'ai passé de super années à Lacordaire. J'ai découvert des personnes de meilleures les unes que les autres et même le corps enseignant était super et je vais garder de l'école un très bon souvenir. Moi je pense que c'est un bon lycée et surtout pour ceux qui sont à l'internat notamment parce qu'on a pas mal d'études et de choses pour bien réussir dans la vie je pense et je pense que c'est un très bon lycée, voilà tout simplement. Lacordaire m'a beaucoup apporté d'un point de vue scolaire mais aussi d'un point de vue humain. J'ai appris à rencontrer de nouvelles personnes, j'ai appris à aimer de nouvelles choses, j'ai appris beaucoup et voilà je dois beaucoup à Lacordaire. Lacordaire, il est né en 1802. Il a été scolarisé au lycée de Dijon, où il a perdu la foi. Il est revenu à la foi à 20 ans. Il a souffert pendant toutes ses années de lycée, puis, comme prêtre, comme jeune prêtre, comme aumônier du lycée Henri IV à Paris, il a souffert de la médiocrité de l'enseignement de son temps. Il a pleuré devant les exigences d'un système scolaire étatique qui vous promet la réussite professionnelle, mais qui ne donne aucun sens à votre vie. Et il a refusé que l'alternative catholique ressemble davantage à un élevage de poulets hors sol qu'à une école destinée à ouvrir le cœur et l'intelligence en disposant les jeunes gens à servir de leur mieux Dieu et leur prochain. Je ne peux m'adresser qu'à vous, élèves d'aujourd'hui, élèves du centenaire. Peut-être percevez-vous cette année, et ce soir en particulier,
que vous êtes entré dans une histoire qui vous dépasse, une histoire qui nous dépasse. Cette histoire a commencé il y a beaucoup plus de 100 ans. Elle a commencé sur les chemins du Lauragais, entre Carcassonne et Toulouse, il y a plus de 800 ans, quand Saint-Dominique réunit des femmes puis des hommes autour de lui pour fonder l'ordre des prêcheurs, les Dominicains. Cette histoire s'est poursuivie au XIXe siècle, quand Henri-Dominique Lacordaire décida de restaurer l'ordre dominicain en France et de consacrer une grande partie de son action et les dernières années de sa vie à la jeunesse, notamment à Sorèze. Cette histoire s'est enracinée à Marseille, à Saint-Mitre, à la Valentine et depuis 90 ans à Saint-Just, ici même, grâce à des personnes exceptionnelles. Lacordairien, nous te transmettons l'avenir de notre école, nous te transmettons avec elle les valeurs qui nous sont chères, nous te transmettons la vie. Le père Lacordaire disait « Je suis citoyen des temps à venir. Sois donc à ton tour citoyen des temps à venir. Vive Lacordaire, vive les Dominicains et vive la vie. » L'école Lacordaire est une centenaire qui se porte bien. Elle n'a pas pris beaucoup de rides. Je dirais même qu'elle se maintient en grande forme et qu'elle cultive sa jeunesse. Il suffit d'ouvrir les yeux maintenant. Il est vrai que chaque année, de nombreux élèves la rejoignent et que les plus anciens s'en vont continuer leur formation ailleurs, fort du bagage qu'ils ont acquis. Ainsi, elle se rajeunit continuellement et sa moyenne d'âge reste stable. C'est dire que nous fêtons un anniversaire bien particulier. S'il y a 100 ans, les Dominicains du tiers-ordre enseignant, comme on les appelait alors, ont fait le pari d'ouvrir une école à Marseille, ils furent bien inspirés. Ils voulaient mettre en œuvre ici, après Sorèze, Oullins, Arcueil, l'intuition du père Lacordaire de la nécessaire formation spirituelle de la jeunesse alliée à son instruction humaniste classique. L'éducation des jeunes représente aujourd'hui encore un enjeu primordial pour la société et pour l'Église. Le projet de l'école Lacordaire, s'il a pu évoluer, le directeur vient de l'expliquer, maintient l'orientation de cultiver la tradition. Il vient de le dire aussi. D'être fidèle à un héritage commun aux élèves et aux professeurs. Cette tradition est pédagogique, humaine et chrétienne. Elle a conscience qu'une grande exigence scolaire s'achève par le souci de servir. La connaissance et son acquisition sont au cœur de l'école, avec la conscience qu'elle a aussi une dimension morale, au sens noble du terme. Réussir pour servir. Travailler, c'est-à-dire enseigner ou apprendre, se fait en ayant conscience que son excellence personnelle n'est pas une finalité en soi, ni pour l'élève, ni pour l'enseignant. Le perfectionnement personnel est complet s'il a une répercussion positive pour les autres, positive pour mon entourage, pour la famille, pour la société elle-même. La foi au Christ ne vient pas ici en confrontation ou en parallèle. Elle vient dans le cœur même du message transmis. On dirait au cœur d'une éducation intégrale de la personne. La place de la liberté n'est pourtant pas du tout niée ici. Lacordaire avait bien conscience, comme notre père Saint-Dominique, que la foi ne s'impose pas, mais qu'elle peut être exposée, proposée, en un mot, prêchée à des êtres libres. Les frères qui se sont succédés ici et qui œuvrent encore aujourd'hui s'inscrivent dans ce propos de l'école. Ils n'ont pas une tâche surajoutée et extérieure. Leur action se conjugue avec celle de l'ensemble des enseignants.
il ne pourrait pas non plus agir sans le soutien constant du directeur, Pierre-Jean Collomb, que je salue ici et auquel je rends hommage encore une fois. Par sa volonté et son souci de mettre la transmission de la foi au cœur du projet pastoral de l'école, il aide à cette transmission. La présence dominicaine dans l'école a évolué, et même les entités de l'ordre qui l'ont fondée et animée ont changé. D'abord la congrégation enseignante, puis la province de Toulouse, depuis une soixantaine d'années. Depuis 1974, avec l'arrivée de José Bartholoméi comme directeur, José Bartholoméi pour lequel nous avons une pensée aujourd'hui, les directeurs ne sont plus dominicains. Pourtant, nous restons engagés ici, en exerçant la tutelle, mais surtout en prêchant la foi. Les frères sont là pour servir par la prédication évangélique. Ici, ils trouvent un contact finalement assez rare avec les élèves et avec les professeurs. Nous avons prié pour rendre grâce et confier à l'avenir l'école, l'avenir de l'école à la Providence, et pour ce qui m'appartient de contribuer à sa réalisation, l'Ordre des prêcheurs continuera son engagement ici pour donner une participation essentielle à l'éducation intégrale des élèves et soutenir la communauté enseignante dans sa mission de transmission du savoir. Soyez grandement remerciés, cher directeur, cher Pierre-Jean, vous et les professeurs et les enseignants, de maintenir haut votre engagement pour cette école, vous qui la portez chaque jour de l'année, pour transmettre un si fécond héritage. Vous devez continuer à vous y donner pour qu'un nouveau jubilé, celui des 200 ans, puisse être fêté, et plaise à Dieu que nous le voyons du haut du ciel. Je vous souhaite, comme il se doit, à vous, élèves, parents, enseignants, bon anniversaire à cette école. Je lui souhaite aussi longue vie sous la protection de notre Père Saint-Dominique. Je me suis dit tout à l'heure, quelle belle journée pour fêter un anniversaire. Et puis, en écoutant les enfants sur cette scène, qui ont à travers l'hymne, et en tout cas à travers le refrain de cet hymne, répété inlassablement, « Être un élève est mémorable, être l'accordérien est incroyable. » C'est écrit. Ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est... Monsieur le directeur, cher Pierre-Jean, d'avoir réuni autant de monde pour cet anniversaire. Alors c'est bien normal, compte tenu que c'est un centenaire, l'histoire baigne ici et une grande partie de Marseille et des Marseillais sont venus ici dans cette école. Et ce qui est incroyable aussi, c'est le chemin parcouru depuis 100 ans. Ça a été rappelé, plusieurs quartiers de Marseille ont accueilli les débuts, puis la progression de cette noble institution qui est devenue l'école Lacordaire. Ce qui est incroyable aussi, c'est la joie de tous ces jeunes qui ont, je confirme, chers frères, pas du tout envie d'écouter nos discours et qui sont bien plus heureux à courir et à aller dans tous les sens. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que depuis 100 ans, ici, au-delà des mots, on conjugue de l'audace, de l'ambition, on conjugue du partage, de la solidarité, pour réussir une vie non pas d'élève, mais une vie de femme et d'homme, bien dans sa tête et bien dans son corps, et d'acteur de la société. D'acteur majeur pour certains, et qui prennent leur destin et le destin de leurs concitoyens en main, pour que nous puissions demain avoir une vie meilleure que celle d'aujourd'hui. Alors, je ne vais pas être plus long. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est au nom de Renaud Muselier, le président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, je souhaite à l'accordaire et à tous les accordériens eh bien, un excellent anniversaire et rendez-vous dans 100 ans. Je pense que vous pouvez être fiers, ici, les Dominicains, et aussi l'équipe enseignante, de ce que vous donnez aux enfants. Vous le donnez sans compter, et vous le donnez avec une volonté de leur permettre d'être non seulement audacieux, non seulement courageux, mais aussi déterminés. Déterminés pour donner leur passion et permettre de transmettre
pas obligatoirement dans les meilleurs postes qu'il puisse exister, même si je sais qu'une ministre de la République a été formée ici à l'Accordaire. Et c'est aussi pour permettre à ceux qui ont eu moins de chance, moins d'opportunités, aussi de réussir leur vie. Pierre-Jean, merci. Merci pour l'anniversaire. Merci aussi pour l'Accordaire. L'autre jour, vous m'invitiez avec les majors. Je leur disais, vous avez une chance inouïe. Un établissement exemplaire qui, en France, compte les plus belles réussites au baccalauréat avec les mentions qui accompagnent. Mais vous ne faites pas que ça. Vos élèves vont quelquefois à la rencontre des autres, les autres moins favorisés. Et là, je dis volontiers à Monseigneur l'archevêque, à Monseigneur Jean-Jean Pontier, président des évêques de France, sous votre autorité, vous avez propulsé, vous avez aidé, vous avez facilité que l'école catholique aille dans tous les quartiers de Marseille et en particulier les plus défavorisés. Ici, on est dans un établissement exemplaire. Et c'est bien que des jeunes aillent donner un coup de main. Et nous, parce que vous avez fait ça, parce que vous avez établi l'église, l'école catholique dans des quartiers difficiles, ben nous, il nous appartient aussi de vous aider. Alors vive l'Accordaire, vive les 100 ans, vive les Dominicains, et que cela perdure encore. Allez, pour ce soir, ça suffit. Je suis arrivée en sixième, je connaissais personne, et ce qui m'a beaucoup plu, c'est cet esprit, voilà, cet esprit d'accordérien. Il y a un personnel très accueillant, les profs ils sont très à l'écoute. Donc l'Accordaire, c'est une très bonne école et je vous la conseille. Alors, bonjour. Moi, c'est Marie-Lou. Et moi, c'est Raphaëlla. On est là depuis le CP. On adore l'Accordaire voilà, parce que... On trouve que c'est une... Enfin, quand on entre à l'Accordaire, on a l'impression que... On n'est pas simplement des élèves, mais qu'on est plutôt une famille et que c'est ça qu'on adore. La solidarité. Voilà. Donc, vive l'Accordaire. Vive l'Accordaire. Thank you.
J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Ben, heureusement que la prochaine, c'est dans 100 ans. Et on va continuer à fêter le centenaire encore jusqu'à la fin de 2018 avec d'autres festivités. Bonne soirée à tous.